en saisissant les autorités religieuses ou morales du pays, les juridictions nationales et internationales, ainsi que les organisations internationales. Donc, rappelons quand même que la répression des manifestations du FNDC contre le troisième mandat a fait au total 99 morts, dont une trentaine enterrés nuitamment dans des fosses communes en pleine forêt, à Zérékoré. Chers invités, nous avons conscience que la terrible pandémie du Covid-19 en appelle à parer au plus urgent. Nous en avons pleinement conscience. Le plus urgent, c'est de lutter contre la crise sanitaire d'abord, de lutter contre la crise économique et sociale, de lutter contre l'exclusion, la détresse. Mais pendant ce drame sanitaire, d'autres drames se jouent. Le drame guinéen, par exemple, qui, bien que silencieux, n'en est pas moins intense, se joue actuellement. Nous avons affaire à un régime dans lequel on enferme, on torture, on tue, cela dans l'indifférence générale. La Guinée demeure quand même le deuxième pays d'Afrique pour l'étendue de ses ressources minières et le premier pour un grand nombre d'elles, comme la bauxite ou le fer. Paradoxalement, malgré ses ressources, la Guinée a aujourd'hui le premier pays de départ des jeunes pour l'Europe, le premier pourvoyeur de demandeurs d'asile en France en ce qui concerne les mineurs non accompagnés et le deuxième derrière l'Afghanistan. J'aimerais peut-être m'arrêter là, consciente du temps imparti, et pour vous dire que le combat pour la démocratie et les droits de l'homme est juste. Il est juste car il est indispensable au développement, et c'est au nom de cette conviction partagée que nous nous retrouvons aujourd'hui en cet après-midi dominical, et je ne peux que joindre ma voix aux défenseurs acharnés des droits de l'homme que vous êtes, pour vous adresser un grand, grand merci de votre présence aujourd'hui, et peut-être que dans le fil des discussions, j'aurai la possibilité d'aborder des initiatives formidables qui ont été menées par des sénateurs français, par des députés européens. Là, je pense dans l'immédiat à Madame Marie Arena, à l'initiative de laquelle une lettre conjointe avec 32 signataires, 32 autres députés européens. Et cette lettre a été adressée au chef de la diplomatie européenne, Monsieur Josep Borrell, pour justement dénoncer les violations massives des droits de l'homme. Nous aurons l'occasion, Nadia, de revenir plus en détail. Ici, c'était un mot pour un tour de table avant qu'on attaque le véritable sujet. Je m'arrêterai donc ici tout en vous remerciant pour votre écoute. Merci bien. Stéphane, Monsieur Stéphane Nicolas. Stéphane, tu nous entends? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, parfait. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai tous entendu et j'ai bien entendu le plaidoyer de Nadia qui est venu du cœur, mais qui avait aussi le mérite de dresser un tableau particulièrement précis de la situation dramatique que vous vivez et que Moussa, tu m'as avisé depuis déjà avant les élections en disant attention, il faut être vraiment très très attentif. Donc ça ne fait que confirmer notre inquiétude, l'inquiétude, comme on le dit, du président du CDH, qui, vous avez raison de dire que la pandémie occulte beaucoup les priorités internationales, parce qu'il y a un petit peu un sauve-qui-peut qui est un sauve-qui-peut national, voire européen, et on oublie le reste. On était très attentif au message que tu as délivré, Moussa, en disant qu'il faut absolument interpeller la démocratie et la diplomatie internationale via notre diplomatie belge, ce qu'on a essayé de faire par nos questions parlementaires, par nos questions que nous répétons, par l'état des lieux que nous voulons, parce que quand il y a un problème démocratique dans un pays, peu importe si c'est en Afrique, en Asie, aux États-Unis ou en Europe, c'est quand même tous nos États de droit qui toussent. Donc, on ne peut absolument pas passer par un revers de la main les problèmes qui se passent pour l'instant en Guinée. D'autant plus que vraiment, c'est un des mouvements qui représente le sang, qui représente la participation, le droit à la parole, le droit au développement, le droit au développement des personnes tant que le territoire, etc. Or, nous pensons vraiment que c'est par ça que le développement de l'Afrique
surtout peut-être avec des perspectives de changement climatique et de changement de paradigme, va faire la différence, et non pas les anciennes générations. Donc, on est absolument, absolument, Nadia, attentive et vraiment touchée par ce point-là, nonobstant la pandémie, on y sort. Mais ça ne nous permet pas de nous détourner du drame que vous êtes en train de vivre. Et Céline l'a dit, mais effectivement, on a de la chance d'avoir un président qui, ne fût-ce que par les canaux municipalistes, développe des actions avec d'autres communautés municipales de l'Afrique, mais aussi au niveau national. Un président de parti est toujours un président de parti et il a une voix qui porte fou. On a une chance incroyable, c'est d'avoir ce couple. Céline, qui n'a jamais caché à personne que sa compétence dans laquelle elle se préférait s'investir, c'était les relations internationales, et c'est ce qu'elle a fait merveilleusement d'ailleurs, avec grand plaisir, tant au niveau européen qu'au niveau international. Donc, on a beaucoup de chance au CDH de pouvoir être là et de concentrer ça, non pas pour la galerie, non pas parce que ça met sur un piédestal quelque chose, mais parce que fondamentalement, dans un monde globalisé, ce que vous êtes en train de vivre nous affecte terriblement, d'autant plus que vous êtes aussi ces partis démocratiques du centre qui sont des partis frères, finalement. Merci, merci Stéphane. Maître Traoré, si vous nous entendez, on voulait juste avoir votre impression. Après, on va avoir un débat. En tout cas, vous aurez plus la parole pour nous donner la situation réelle par rapport à ces détenus, par rapport aux situations carcérales en Guinée. Maître Traoré, vous nous entendez? Maître Traoré? Bien, c'est les aléas du direct. On va peut-être avoir aussi le mot de Joachim. Peut-être Maître aura plus de chance en deuxième recours. Monsieur Joachim. Oui, je cherchais à activer mon micro. Bienvenue à cette conférence. Merci. Mais j'avais peut-être prévu de prendre la parole après Maître Traoré. Je vais faire économie de beaucoup de temps, mais après avoir écouté Nadia, qui a planté suffisamment le décor, vous savez déjà que le pays a été pendant plusieurs mois en proie à une profonde crise causée par la candidature controversée d'Alpha Condé à un troisième mandat à la faveur de la modification constitutionnelle du 22 mars. Et malheureusement, la contestation durement réprimée a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019 dans le cadre de la lutte du FNDC, chose que Nadia a également rappelée. Mais en novembre déjà, vous l'avez suivi, Alpha Condé a été proclamé vainqueur au premier tour de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Et malgré les mises en doute de la régularité du vote, il n'a pas reculé et certaines institutions qui sont totalement inféodées lui ont aidé à conforter sa position. Alors, les semaines avant et après l'élection ont vu l'arrestation de centaines d'opposants au troisième mandat, les responsables du BFTG, du FNDC, d'autres de la société civile ont été arrêtés en nombre. Alors, les rapports de Amnesty International et Human Rights Watch en font foi. Ils sont accusés de détention et de fabrication d'armes alors qu'il n'y a eu aucune perquisition. Il y a tellement d'incohérences dans les faits qui sont allégués contre eux qu'on ne peut imaginer pratiquement que la relaxe, comme le disait d'ailleurs un des avocats, et c'est pour cela qu'il était important que Maître Traoré soit là. Voilà, j'espère qu'il va revenir. Et parce qu'il est difficile pratiquement de décrire la situation des détenus aujourd'hui si on ne suit pas pratiquement la procédure. Et les avocats étant les mieux placés dans ce cadre-là, nous autres politiques, nous ne pouvons faire que des témoignages. Malheureusement, les témoignages des détenus et leur identification par les campagnes de soutien favorisent une lecture, si vous voulez, par le haut, de la détention politique qui s'accorde bien avec une vision de la prison comme mode favori de neutralisation des opposants
par le pouvoir abusif de M. Alpha Condé. En fait, il n'y a, et ça vous le savez tous, c'est peut-être une redondance et une répétition, aucune charge aujourd'hui pratiquement réelle qui puisse justifier leur détention. La seule chose qui justifie leur détention, comme je viens de le dire, c'est la volonté de vouloir les neutraliser complètement en tant qu'opposants. Voyez-vous. Donc, je vais faire économie de temps. Est-ce que Maître Traoré est revenu? S'il n'est pas là, je vais continuer. Il faut dire que... Maître Traoré, attends, Joachim. Maître Traoré, je vois M. Sorel Keïta qui nous rejoint. Donc, bonjour Joachim, à tous. Tu mets un point à ton intervention. Monsieur Keïta, on donne à Monsieur Joachim le temps de finir son intervention, puis on revient à vous. Merci. Baba, on t'écoute. Ah voilà, donc je disais que les prévenus qui sont des personnalités tout comme des anonymes, parce qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas que les responsables politiques de haut niveau de l'UFDG, du FNDC, de la société civile et de l'ANAD, mais il y a assez d'anonymes qui font partie de ces détenus politiques-là. Tous à la maison centrale, dans des conditions exécrables, au milieu des condamnés de droit commun, alors qu'eux sont clairement des prisonniers politiques. Malheureusement, les autorités politiques du pays se sont inscrites dans une logique de négation totale de l'existence de détenus politiques. Lorsque l'on a entendu Alpha Condé déclarer qu'il n'y a pas d'hommes politiques en prison, encore moins de détenus politiques, eh bien, l'on comprend aisément que pratiquement il n'y a aucune volonté de leur assurer un procès équitable. Alors, lorsqu'ils sont détenus pendant plus de presque 6 mois maintenant, sans qu'aucune preuve ne soit exhibée, il n'y a pas de procès, alors que les avocats demandent sans cesse, sans relâche, leur mise en liberté conditionnelle au moins. Certains d'entre eux sont malades, c'est le cas de Chérif Ba, qui n'attend qu'une évacuation sanitaire et que l'on refuse ça. Pratiquement, nous ne pouvons plus qu'appeler à la contribution de tout le monde. On est heureux de conférer ici avec des responsables européens, des députés qui, j'espère bien, vont pouvoir servir de porte-parole pour nous afin de mettre une pression sur le régime et d'obtenir enfin une mise en liberté conditionnelle provisoire ou plutôt une évacuation sanitaire pour notamment Chérif Ba. Voilà, je me limite là. Merci Joachim, merci. Je voudrais demander, est-ce que Maître Traoré nous entend? Maître Traoré, vous êtes toujours en ligne? Monsieur Sorel Keïta nous a rejoint. C'est le président du parti que je vois comme ça? Oui. Président, merci d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir cette excellente initiative d'organiser cette rencontre virtuelle avec... je ne suis pas même à mon domicile. Hein, Nadia m'a dit et m'a envoyé le lien et puis j'ai essayé de joindre. Donc, merci d'être avec nous. Nous avons ici Madame Céline Frémaux, que vous connaissez, députée au Parlement bruxellois, qui est la vice-présidente du CDH, qui a été ministre jusqu'en 2019. Elle était ministre du logement et de la région de Bruxelles-Capitale et du climat aussi. Et nous avons Monsieur Nicolas Stéphane, qui est le chef de cabinet de Monsieur Maxime Prévost, président du CDH, député fédéral et bourgmestre de Namur, donc maire de la ville de Namur, dont Ablaye Ba, où Ablaye Ba vivait avant de rentrer en Guinée, qui ont accepté d'être avec nous, avec Monsieur Sorel Keïta, plus les cadres de l'IFDG afin, et les avocats, afin que nous ayons cet échange. Et vous nous honorez d'être avec nous, à tout Seigneur, tout honneur. Je voudrais que vous remerciez et que vous vous adressiez à nos hôtes afin qu'on puisse continuer par après. Je voudrais remercier les uns et les autres pour l'intérêt qu'ils portent à la situation qui prévaut en Guinée, notamment cette situation des prisonniers politiques. Et je pense que Nadia, tous ceux qui sont exprimés, Maître Traoré,
On vous a donné de larges informations sur cette situation déplorable. Nous avons en face une dictature qui ne veut rien entendre et qui se retrouve avec en face un parti qui a gagné les élections et dont il a décidé donc d'affaiblir les structures parce qu'ils ont été impressionnés, bien entendu, par notre capacité d'organisation, par le poids électoral, mais surtout par la résilience dont on a fait preuve face à la dictature depuis de longues années. Donc, merci pour cet intérêt et merci pour votre solidarité par rapport à tout ce que nous subissons actuellement ici. Et nous sommes très réconfortés de savoir que, loin de la Guinée, les gens s'intéressent à ce qui se passe parce que je pense que nous partageons les mêmes valeurs. Lorsque ces valeurs sont violées dans n'importe quel coin de la planète, il est important que ceux qui partagent ces valeurs-là qu'on les entende, que ça soit condamné et que ça soit vraiment sanctionné, bien entendu, sur la base des instruments dont on dispose. En tout cas, merci aux uns et aux autres pour cet intérêt et pour cette marque de solidarité, cette solidarité d'ailleurs à l'endroit de l'FDG, du FNDC et des prisonniers qui sont ici de ces deux organisations pour la plupart. Merci, Président. Merci, Président. Madame Céline, vous avez un mot à adresser au Président Elat Sellou Dane Diallo? Je veux d'abord lui remercier de nous honorer d'être ici, parce que ça, en tout cas, témoigne de l'importance des échanges que nous pouvons avoir, aussi de la confiance qui est la vôtre. Et vous dire, Président, aussi que je connais M. Moussa Diallo maintenant depuis de nombreuses années, ici à Bruxelles, et Stéphane Nicolas, mon ancien chef de cabinet, également. Et vous dire aussi le relais qu'il constitue ici à Bruxelles pour vous. Je pense que parfois, en fait, vous n'imaginez pas comme certains de vos compatriotes sont engagés et permettent à répercuter avec justesse, dans le calme aussi, ça je le dis, dans le calme, parce que c'est très important en politique, le calme, hein, vous le savez. Qui plus est quand les situations sont tendues sur le terrain, je pense que les leaders doivent faire preuve de calme, en tout cas de conviction et de calme, et vous dire l'importance que Moussa a aussi dans la répercussion de ce qui se passe sur le terrain chez vous. Je ne suis pas prédisposée à connaître plus la Guinée qu'un autre pays, hormis ceux où j'ai nombreux sources, en l'occurrence le Congo, le Sénégal. Mais grâce au travail qu'il a fait, à la collaboration que nous avons mise en place, notamment à travers des projets très concrets, en réalité, il se fait le porte-voix de votre pays ici à Bruxelles. Et c'est un porte-voix qui est entendu. Et ça, je tenais à vous le dire parce qu'en fait, des réunions comme celle-ci, dont je me réjouis, d'entendre les choses aussi avec ce même calme que j'évoquais, les convictions qui sont les vôtres, une confiscation de la démocratie qui est lourde, hein, elles sont importantes. Elles sont importantes parce que nous lisons, parce que nous entendons, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas du tout à des années-lumière de ce qui se passe à Conakry. J'ai bien lu ce qui s'est passé au moment des élections, j'ai bien lu ce que vous décrivez, la prolongation d'un xème mandat avec une modification de constitution, ça fait écho terriblement à ce qui peut se vivre aussi sur le continent européen, alors pas directement au niveau de l'Union, mais un peu plus à droite sur des modifications de constitution qui sont opérées de façon illégitime. Et je suis juriste de formation, Moussa l'a dit, j'ai travaillé à l'Université catholique de Louvain en droit public et constitutionnel, et donc je suis attachée à des outils de droit qui permettent de se voir développer des démocraties parlementaires, des exécutifs qui respectent les droits et les libertés. Et donc, je pense que c'est un devoir pour nous aussi de pouvoir être à vos côtés et d'être informés. Et cette information-là, en tout cas, elle nous est donnée avec justesse et régularité de la part de M. Moussa Diallo. Et donc, je voudrais presque terminer mon intervention, si vous permettez, M. le Président, par un petit clin d'œil en disant qu'en fait, tout ce que je pourrais souhaiter un jour, c'est de pouvoir venir avec M. Nicolas en Guinée
et de voir M. Diallo, de voir Nadia Naman à la tête d'un gouvernement démocrate. Et peut-être qu'un jour, on pourra travailler aussi à constituer toute une série de déclarations politiques avec l'expertise qui la note et avoir cette collaboration heureuse, en tout cas avec des personnes qui sont des démocrates, des personnes qui sont compétentes, qui respectent un état de droit. Et ça, c'est le plus important pour Stéphanie. Écoutez, je remercie bien entendu Moussa pour Tierno Moussa pour les informations qu'il donne avec son engagement, sa conviction, avec la pertinence qu'il peut donner à son discours. Mais je t'avoue, je vous remercie pour la réaction qu'il a pu susciter pour consacrer une partie de votre temps, de votre week-end, de votre temps de repos à cet exercice que nous sommes en train de faire, d'échanger là-dessus. Je vous suis profondément reconnaissant et bien entendu, je reconnais le mérite de Moussa qui est membre du bureau exécutif de notre parti et qui est chargé des relations avec la communauté internationale, un travail qu'il fait bien. D'ailleurs, vous l'avez dit, je suis heureux de savoir que vous-même, vous notez qu'il le fait avec beaucoup de talent et avec beaucoup de conviction. Donc, merci beaucoup à Moussa et félicitations à vous. Et nous comptons sur vous, sur votre solidarité, sur votre soutien pour que vraiment la démocratie et l'état de droit puissent être instaurés dans notre pays au bénéfice du peuple guinéen. Merci, Président. Il y a Sorel, Monsieur Sorel Keïta. Qui nous avait rejoint. Avec votre permission, je souhaiterais lui donner la parole parce qu'on était dans la phase des présentations. Puis, évidemment, votre présence nous réjouit à plus d'un titre et ça rehausse notre conférence. Merci d'être là. Merci vraiment d'être là. Et Nadia, Madame la ministre, avait demandé à ce que je puisse lui communiquer tes contacts pour que un mémo lui soit adressé à l'issue de cette conférence. Donc, je le ferai dès la fin de cette rencontre. Avec votre permission, présent, Monsieur Sorel Keïta, qui est président du Conseil de la transition en Guinée, qui est à Paris. Oui, nous sommes ensemble sur tous les fronts. Nous nous retrouvons toujours parce que nous partageons évidemment des valeurs, nous partageons des préoccupations par rapport à l'avenir de ce pays. Et je salue M. Keïta, dont je respecte la constance dans le combat contre la dictature. Bien, merci beaucoup Moussa, merci beaucoup Monsieur le Président Sélouda Alain Diallo et merci à nos hôtes bruxellois. Belge et merci aux organisateurs, je salue Nadia et tous ceux qui sont présents, les avocats, tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer à ces échanges. Je voudrais tout d'abord dire deux choses, m'excuser de vous rejoindre que maintenant, c'est juste parce que j'étais sur une visio d'organisation d'un mouvement qui est très important aussi, c'est nous nous apprêtons à accueillir, s'il ose venir à Paris le 18 mai, à accueillir comme il se doit Alpha Condé. Donc nous avons un comité de pilotage qui rassemble d'ailleurs la plupart des partis politiques d'opposition, mais également le FNDC, l'ANAD et le CTG. Donc ça c'est pour cette raison que je suis un peu en retard puisque nous sommes avec l'ANAD et le FNDC organisateurs de cette initiative-là prochaine d'accueil, même si, d'après les informations que nous avons reçues du Quai d'Orsay et de l'Élysée, il n'est pas sûr qu'Alpha Condé soit présent le 18 mai, mais il a vraiment envie d'être à Paris. Et s'il fait le forcing, nous en serons ravis parce que nous lui offrirons la meilleure réception, le meilleur accueil possible. Parce que la diaspora française, guinéenne en France, mais également dans toute l'Europe, est ultra mobilisée pour montrer à la face du monde ce que représente ce régime. Et c'est à cet égard que nous sommes ravis d'être avec vous et nous pensons que toutes les initiatives qui permettent de désenclaver la situation politique guinéenne sont importantes. Et nous avons besoin du soutien de nos amis européens
En l'occurrence, Madame Frémaux, nous vous saluons, nous vous remercions de donner de votre temps pour la Guinée, pour montrer à Bruxelles, en Belgique, mais dans toute l'Europe. Vous êtes un endroit stratégique pour nous. C'est Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Je salue M. Nicolas, parce que le combat que nous menons pour montrer le vrai visage de ce régime-là, c'est un combat international. C'est un combat universel, voire universaliste, puisque c'est des valeurs. C'est un combat pour des valeurs. Ça a été rappelé et par vous-même et par le président Diallo. Nous partageons des valeurs essentielles, celles de la démocratie, celles des droits humains, des libertés fondamentales qui sont foulées du pied en Guinée. Et ça, c'est quelque chose qui doit hérisser tous les démocrates du monde. Et donc, le combat que nous menons contre la dictature guinéenne pour la libération des prisonniers politiques, c'est un combat qui, finalement, n'est pas que guinéo-guinéen. Parce que vous le savez bien, le désespoir que vivent les populations guinéennes les pousse à émigrer vers l'Europe. Et donc, Alpha Condé contribue aussi à créer des problèmes d'immigration de la jeunesse guinéenne. Et nous le dénonçons régulièrement. Combattre la dictature d'Alpha Condé, c'est permettre aussi de régler les questions migratoires en Europe. Parce que vous le savez bien que les jeunes Guinéens sont de plus en plus nombreux à gonfler ces quotas, ces flux migratoires. Et donc, c'est un combat essentiel. Par ailleurs, donc, je précise que nous avons organisé la semaine dernière, enfin cette semaine, on va dire, puisque c'était lundi dernier, une initiative au Sénat français avec des parlementaires, avec les organisations de défense des droits de l'homme, en l'occurrence celles qui sont le plus engagées en Guinée, à savoir Amnesty International et la Fédération internationale des droits de l'homme. Et nous avons décidé dès la semaine prochaine, donc nous vous l'annonçons, de lancer une véritable campagne pour demander la libération des prisonniers politiques guinéens. Et il faut le dire, qu'on soit UFDG ou pas, le gros des troupes qui aujourd'hui subissent cette dictature, subissent ce déni de droit, sont des gens de l'UFDG. C'est les dirigeants de l'UFDG, ce sont les militants de l'UFDG, et donc c'est tout à fait normal que l'UFDG soit mobilisé, mais que tous les démocrates guinéens, africains et européens se mobilisent aux côtés de l'UFDG pour demander la libération de ces prisonniers politiques. Certains d'entre eux sont aussi des journalistes et c'est inadmissible parce que c'est contradictoire avec les lois qui sont fixées en Guinée. Et ils se permettent d'ailleurs, ces dirigeants guinéens, de dire qu'ils préfèrent l'ordre à la loi. Mais en fait, ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas qu'en vérité, la loi, le respect de la loi permet de garantir l'ordre et la tranquillité publique et qu'il n'y a pas de contradiction entre l'ordre et la loi. Mais c'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui pour justement justifier leur sévice, leur dictature et cette tyrannie qui est en cours en Guinée. Et ça, c'est inadmissible et il est important que tous ceux qui sont attachés à la démocratie se lèvent pour protester contre cela. Et nous avons vraiment besoin de votre soutien, à vous, Européens. Nous en sommes aussi, puisque pour la plupart, nous avons la double nationalité, voire la double culture. Et la diaspora, aujourd'hui, c'est aussi une chance pour vous dans vos combats. Et donc, il est important qu'il y ait une vraie cohérence d'action, une vraie convergence d'action entre vous et nous pour permettre à ce pays de sortir de l'ornière. Parce que ce pays, s'il s'écroule, l'onde de choc arrivera sur les rives européennes. C'est totalement incontestable ce que je suis en train de vous dire. C'est vérifié, ça a déjà commencé. Et donc, il faut que l'Europe se sente concernée par la situation qui prévaut en Guinée aujourd'hui. C'est la dictature. Et cette dictature-là met un pays tout entier en coupe réglée. La Guinée est devenue une prison géante à ciel ouvert. Et ce n'est pas admissible pour tous ceux qui sont attachés à la défense des droits de l'homme. Et c'est pour cela que moi, je suis ravi d'être là. Je remercie Tanou et Moussa et les autres de m'avoir invité. Chaque fois que je peux
contribuer à faire prendre conscience à nos amis européens, à nos amis américains aussi, puisque il y a deux semaines, j'étais dans un débat avec les amis américains qui aussi se mobilisent. On a besoin que le reste du monde fasse pression sur la Guinée pour que le régime change. Les Guinéens contribuent déjà à leur niveau au combat. C'est déjà bien. Ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, Alpha Condé a une milice et a des forces paramilitaires qui sont à sa solde et qui n'hésitent pas à tirer à bout portant sur le peuple. Donc évidemment, le peuple se protège aussi, mais le peuple a besoin de voir à l'extérieur des différentes personnes, différents mouvements se mobiliser pour le soutenir. Parce que c'est comme ça aussi que le peuple sera galvanisé, puisqu'Alpha Condé fait croire qu'il est soutenu par l'Union européenne. Récemment encore, il est question d'un certain nombre d'aides budgétaires de la part de l'Union européenne. Tout cela, madame, monsieur, madame Frémaux, monsieur Nicolas, contribuez à arrêter cela. Parce que ces aides-là ne servent pas le peuple de Guinée. Ces aides, au contraire, permettent toujours et encore et encore à renforcer la répression en Guinée. Le sénateur Jean-Yves Lecomte, lors de notre rencontre, a rappelé une chose qui est tout à fait choquante. L'Union européenne finance la brigade de répression en Guinée, de recherche, c'est la BRI, ça s'appelle. C'est une brigade qui sévit contre les manifestants, c'est une brigade qui est responsable de la mort d'un certain nombre de gens. Eh bien, cette brigade-là, elle est financée par l'Union européenne. C'est inadmissible. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour que les fonds qui sont prévus soient arrêtés. Et nous avons rencontré des députés européens, je vous garantis, ils n'étaient même pas au courant. Ils nous ont dit non, on ne savait pas. Donc, vous voyez, on a besoin de ces échanges. Ces échanges, ces discussions, ces rencontres sont importantes parce que ça vous permet, vous, de savoir la réalité de ce qui se passe en Guinée. Et elle est terrible, croyez-moi. Merci, merci, monsieur Keïta. Merci de cette poignante intervention. Je viens d'avoir un message que monsieur Maître Traoré est de retour avec nous, puisqu'il était prévu dans un premier temps de donner la parole aux avocats, puis aux politiques. Mais compte tenu du chamboulement des choses, on a essayé de gérer comme tel. Si Maître Traoré est de retour, je voudrais bien que Maître Traoré prennent la parole, et je voudrais aussi que nous ayons à l'esprit que Mme Céline et M. Nicolas nous avaient dit être disponibles pour une heure de temps. Donc, progressivement, on ira vers eux pour leur conclusion de cette rencontre. Nous, on va continuer le programme jusqu'à 19h, ce qui était initialement prévu. Est-ce que Maître Traoré est de retour? Merci, merci, M. Keïta, merci. Il est là, il faut juste, Maître Traoré, il faut juste activer votre vidéo, s'il vous plaît. Maître Traoré? Maître Traoré? Bien. Avant que Maître Traoré ne se connecte à nouveau, je vois que Madame la ministre a levé la main. Elle souhaitait intervenir. Elle avait fait un texto pour dire que notre ami Nicolas est un grand spécialiste de l'Union, donc je pense que nous avons la bonne personne ici ou les bonnes personnes ici qui vont nous aider à relayer nos soucis et notre préoccupation fondamentale pour les libertés en Guinée. Madame oui, Céline, oui, merci. Allez-y. Oui, effectivement, Stéphane Nicolas connaît parfaitement l'Union européenne. Il m'a accompagné à de nombreuses reprises, d'ailleurs dans des sommets, que ce soit à Luxembourg, en Italie. Donc, c'est une bonne personne pour pouvoir aussi formuler les choses avec l'intelligence nécessaire pour approcher les uns et les autres. J'avais deux questions, en fait, suite à l'intervention de M. Keïta. Vraiment, je vous remercie. C'était de savoir, en fait, avec quel groupe politique vous avez travaillé au Sénat français. Donc, j'entends bien, il y avait une visite d'Alpha Condé qui avait dû être programmée et qui serait reportée. J'imagine que la diplomatie française mesure bien, évidemment, l'impact de ce genre de visite sur le territoire français avec ce qui s'est passé en Guinée. Donc, je voulais avoir un tout petit peu quelques informations sur vos relais au niveau du Sénat français. Est-ce que vous avez eu des contacts aussi au niveau des instances du Sénat
outre des sénateurs en tant que tels, quels sont les groupes politiques donc, avec qui vous avez travaillé. Et deux, je voulais savoir, vous parlez effectivement du financement de certaines choses, la brigade par l'Union européenne. Moi, je voulais savoir si l'Union européenne avait travaillé avec les Guinéens, si oui, comment, sur la question du processus électoral, puisqu'il y a à Bruxelles plusieurs bureaux qui travaillent sur la question de la surveillance électorale. Et donc, on connaît plusieurs personnes, notamment, qui sont impliquées là-dedans. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui avait été fait par rapport au scrutin, ou est-ce qu'en fait, il n'y a rien eu du tout en termes de surveillance du processus démocratique au moment des élections, troisième mandat Alpha Condé, puisque voilà, ça a été quand même largement dénoncé. Donc, un, quels sont les contacts au niveau du Sénat? De deux, quel est le processus sur le plan électoral en termes de surveillance et quel est le rôle probable ou pas du tout en réalité de l'Union européenne sur la surveillance des élections? Très rapidement, donc je commence peut-être par la deuxième parce qu'elle est plus simple et que c'est passé. En fait, l'Union européenne… Tu veux me laisser la deuxième? Oui, ok, ouais, ok. Je laisse Monsieur Diallo y aller. Pour la deuxième, bon, voilà, je veux dire, depuis un certain moment, Alpha Condé, au fond, au nom de son panafricanisme, de son nationalisme ombrageux, là, il ne veut plus associer l'Union européenne et l'OIF à ces élections, ni en termes d'assistance technique, ni en termes d'observation électorale, ni même en termes de financement. Malgré l'état des finances publiques, il a préféré, pour ne pas naturellement impliquer justement des partenaires techniques et financiers susceptibles de critiquer le processus, il a décidé de renoncer au financement qui était disponible sur le FED au titre du financement des élections. Donc, il a financé à 100% sur le budget national les élections parce qu'il ne voulait pas ni d'assistance technique des Nations Unies, de l'OIF ou de l'Union européenne, ni d'observation électorale venant de ces organisations. Voilà pour être court. Donc, il y avait aussi bien pour le scrutin du 22 mars que pour l'élection présidentielle du 18 octobre, il n'y avait aucune observation, aucune assistance technique, aucun financement de ces pays. Mais c'est lui qui a refusé systématiquement parce qu'il ne voulait pas, il voulait commettre les crimes sans témoin et ne pas se faire lyncher médiatiquement par des communiqués qui mettraient en cause justement la sincérité du processus électoral. Monsieur Keita, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, mais vous avez bien eu raison d'intervenir parce que c'est exactement ce que j'aurais dit. J'aurais simplement rajouté que malgré son absence du processus électoral, l'Union européenne a émis des réserves. Elle a émis des réserves sur la sincérité du scrutin. Elle était très critique. Elle était même plus critique que la France. La France, elle a intervenu qu'autour du 20 novembre. Monsieur Macron, dans une interview à Jeune Afrique, a dit clairement que Alpha Condé avait organisé et le double scrutin référendaire et législatif uniquement pour changer la constitution, pour se maintenir au pouvoir. Ça, Macron l'a dit. Malheureusement pour nous, quelques semaines, une dizaine de jours plus tard, il a tout de même présenté ses vœux de succès à Alpha Condé. Mais bon, on va dire que c'était, d'après les retours que nous avons de l'Élysée, c'était le minimum possible en termes diplomatiques qu'il aurait pu faire, que ce n'était pas des félicitations, mais c'était simplement des vœux de succès. Mais Alpha Condé a utilisé cela comme étant une espèce de gage de soutien de la part de la France. Et ça nous a mis très en colère, parce que nous l'avons d'ailleurs fait savoir à l'Élysée. Tout ce qui va dans le sens d'un soutien, même indirect, à ce régime, se fait contre le peuple de Guinée. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, puisque Moussa vous informe régulièrement, c'est un peuple qui est pris en otage par une véritable dictature. Donc ça, c'était le premier point qui était votre deuxième question. Sur la première question, nous ne travaillons pas qu'avec le Sénat, nous travaillons avec tous les parlementaires, en fait, et l'Assemblée nationale et le Sénat. J'ai parlé du Sénat parce que c'est au Sénat que le colloque a eu lieu lundi dernier, mais en vérité, et on a eu la présence de députés aussi lors de ce colloque, notamment
Monsieur, le représentant de M. Rudy Gauze. Et Rudy Gauze, c'est la majorité présidentielle. Nous, nous considérons qu'il faut en fait que tous les groupes soient associés à cela. C'est pour ça que je vous parlais de valeurs universalistes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tous ceux qui considèrent que la démocratie, c'est une valeur essentielle pour tous les peuples du monde et que cette démocratie est en danger de mort en Guinée, réagissent. Et en France, c'est le cas dans tous les groupes. Et donc, nous, nous travaillons avec tous les groupes. Évidemment, nous avons des amis qui sont très constants sur ces questions guinéennes, notamment le sénateur Jean-Yves Lecomte, qui est responsable du groupe d'amitié France-Guinée au Sénat. Mais on a aussi les responsables du groupe d'amitié France-Guinée à l'Assemblée nationale. Je pense à Mme Dumont, je pense à M. Rudy Gauze, justement, qui sont intervenus également. Ça, c'est important. Et c'est un peu à ça que je voulais vous enjoindre. N'hésitez pas, dans vos parlements, à prendre la parole et à pointer du doigt ce qui se passe en Guinée. Parce que ça met terriblement en colère Alpha Condé et son régime. Et donc, ça montre bien que c'est un des points sur lesquels il faut que nous continuions à taper, à mettre la pression. Parce que c'est comme ça que le régime peut changer. Parce que le régime, en fait, fait croire qu'il est soutenu par les Européens et, alors qu'il n'en est rien. Mais par ailleurs, il faut aussi savoir, cette BRI dont je vous parlais, c'est la Brigade de Recherche et d'Intervention, qui sévit en Guinée et qui est responsable de la mort de certaines personnes. Et donc, il n'est pas admissible qu'elle soit financée par le contribuable européen. Et ça, ce combat-là, nous le menons, puisque nous avons rencontré des personnes qui s'occupent, et on était choqués de savoir que les gens n'étaient pas au courant. C'est pour ça que se parler, se rencontrer, échanger, c'est important, parce que les gens ont besoin d'être informés. Et c'est à cela que nous nous servons, nous, enfants de la diaspora. Notre rôle, c'est de faire des plaidoyers, c'est d'aller vers vous, c'est d'aller vers les élus, aller vers les groupes de pression, aller vers les lobbies, les think tanks, pour leur montrer ce qui se passe en Guinée et leur permettre d'être des soutiens vis-à-vis des gouvernants européens. Parce que ces gouvernants-là peuvent agir, on l'a vu dans d'autres pays. La France, elle a été capable, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, à un moment donné, d'intervenir. Nous sommes pour la souveraineté de la Guinée, mais nous sommes aussi pour le devoir de solidarité internationale. Merci, merci Keita. Est-ce qu'il existe en France des textes qui ont été déposés dans les assemblées ? En France, il y a eu des interpellations, des questions écrites. Pas de résolution, pas de texte spécifique avec des demandes. La seule résolution qui avait été faite au niveau européen date de février 2020, si ma mémoire est bonne, le 8 février, il y a eu une résolution au niveau du Parlement européen qui condamnait la Guinée sur près de 17 points. 17 points de cette résolution. Ces documents, parce que si nous devons pouvoir déposer un texte dans les assemblées de type une résolution ou une motion, on a besoin d'avoir les documents qui ont été déposés au niveau de l'Union européenne, dont à mon avis vous disposez assez facilement. Et M. Keita, j'ai mis mon adresse dans la conversation. On vous l'enverra. On vous l'enverra. Un peu de documentation pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrions déposer un texte au niveau du Parlement fédéral et des parlements régionaux, en réalité. Si on peut élaborer un texte attirant l'attention sur tel ou tel point, on peut à ce moment-là l'inscrire à l'ordre du jour et évidemment le proposer à la co-signature de l'ensemble des partis politiques démocrates. Ce n'est pas pour le garder nous-mêmes, mais pour ça, on a besoin que vous nous nourrissiez de textes et de documents qui nous permettent de référer dans la résolution, par exemple à des déclarations de l'Union européenne, par exemple à des choses de type… justement, déclaration des uns et des autres dans les assemblées françaises, ça nous aide beaucoup. Nous le ferons volontiers. Je pense que Thierno Moussa dispose de toutes les résolutions ou de tous les communiqués, en tout cas, produits par l'Union européenne relativement à la situation qui prévaut en Guinée. Mais si vous avez besoin d'éléments particuliers, naturellement, soit M. Keita ou Nadia, nous-mêmes, dans notre cabinet, on a suffisamment de documents qui pourraient être utiles à la formulation de vos projets de résolution ou de saisine des instances au niveau de la Belgique ou de l'Europe. Merci, Président. Je ne sais pas si Maître Traoré
a pu finalement se connecter et nous rejoindre. Il est là, mais il nous entend pas, malheureusement. Il ne nous entend pas. Bien, je voudrais passer la parole à Monsieur Nicolas Stéphane, qui nous a écoutés. Je crois que l'essentiel a été dit ici. Je voudrais juste rappeler, ça a été dit, qu'il y a près de 400 personnes qui croupissent dans les geôles du régime de Condé. Et dedans, si nous avons des responsables politiques de haut niveau de notre parti et de notre alliance, on peut les nommer, on peut les citer pour témoigner toute notre affection et toute notre solidarité à ce qu'ils vivent. El Hadj Chérif Ba, vice-président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée, haut cadre, professeur, croupi dans les geôles de Alpha Condé sans aucune raison. Ousmane Gawal, ancien député, ingénieur, croupi dans les geôles de M. Alpha Condé. Abdoulaye Ba, je voulais vraiment attirer votre attention, comme ça a déjà été fait. Abdoulaye Ba a fait ses études à l'Institut Cormans. Abdoulaye Ba a travaillé pour la région namuroise. Il a été fonctionnaire pour la ville de Namur. Abdoulaye Ba est belge. Je pense que notre pays doit se mobiliser davantage aussi, parce qu'il y a un de nos compatriotes qui d'ailleurs, Abdoulaye Ba avait établi un début de coopération entre la ville de Namur et la commune de Kindia, commune qu'il a eu à gérer avec brio et avec tact. Je pense que la Belgique doit quand même se mobiliser pour ce compatriote qui est dans ces géoles. C'est Lou Baldé, député de l'Abbé, dans les géoles, que des jeunes engagés et combatifs qui veulent la liberté, qui veulent la justice pour leur pays, ils croupissent dans les géoles. Amadou Diallo, journaliste, historien, il croupit dans les géoles de Alpha Condé. La liste, elle est tellement longue, sans oublier Madik Condé, qui a quitté le Canada, où est-ce qu'il était dans des conditions comme vous et moi, avec un travail, avec une famille. Il est parti se battre à côté du président El Hadj Selou. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans les geôles du régime. Sans oublier Ismaël Condé, qui est vice-maire d'une région, d'une commune importante de Conakry, la commune de Matam. Sans oublier Souleymane Condé, qui est venu des États-Unis pour participer au processus américain, pour participer au processus de démocratisation de la Guinée, il croupit dans les geôles de M. Alpha Condé. Je crois qu'il y a urgence et c'est pour ça que je tenais Étienne Soropogui, président d'un parti, pratiquement président d'un mouvement qui a valeur de parti politique, il croupit dans les geôles de M. Alpha Condé. Il est important avant qu'on nous décime une nouvelle fois toute l'élite guinéenne, il est important qu'on se mobilise pour stopper ce monsieur. Alors, si Maître Traoré est là, Maître Traoré, ça c'est aussi un autre problème, les problèmes de connexion, oui. Évidemment. Oui. Évidemment. Il nous entend, mais il a un problème de micro. Oui. Il y a Nadia qui a demandé la parole. Je voudrais, Nadia, que tu me permettes de passer la parole à Nicolas, qui ne s'est pas adressé au président. On a eu le luxe, le grand luxe et le grand privilège d'avoir le président de la Guinée, le président élu par le peuple de Guinée, avec nous, ici ce dimanche. Je crois qu'on ne va pas se priver de ce grand plaisir. Monsieur Nicolas. Mais je voudrais vous remercier encore une fois pour cette conférence et la vie et le prestige et l'attention que le président a prêtée pour se joindre à nous. Je dois vous quitter malheureusement, mais je voudrais juste vous dire une chose. En une heure, j'ai appris nettement plus que ce que je peux lire dans toutes les presses. Je trouve qu'il y a un facteur d'espoir qui est énorme. C'est cette diaspora qui est fondamentalement guinéenne, mais qui est fondamentalement aussi européenne. Et je vous dis, on est dans un monde tellement globalisé qu'en unissant nos forces, c'est toute notre démocratie que l'on doit combattre. Et en dessous de la démocratie, Diallo, Moussa, tu as dit une chose terrible, ce sont des hommes qui sont, ou femmes, qui sont généralement jeunes, engagés et qui veulent un changement de paradigme.
Et si on ne prête pas main à cette force-là qui est naissante, si on ne va pas les rechercher, on ne va pas les sauver, alors c'est toute une génération qui est à ce moment-là perdue. Et on n'a pas le temps de perdre une génération. Il faut vraiment... Donc, tu nous as vraiment terriblement conscientisés. Et chacun d'entre vous, je ne vais pas vous citer tous, mais chacun a eu un élément pour nous dire. Et je ne peux faire que droit à ce que Céline a dit. Donnez-nous vos notes d'intervention, etc. On va constituer un dossier. On a déjà posé des questions au ministre des Affaires étrangères, on a déjà fait des interpellations, mais on va renforcer ça pour qu'on puisse vraiment non seulement faire ce que vous avez dit, M. Sohail Keïta, un mouvement de pression et de lobby pour faire triompher la démocratie et voir que le régime actuel est un régime autoritaire et complètement destructeur du développement humain, mais aussi pour poser des actes. Et donc voilà, je m'en vais avec un devoir que vous nous avez donné. Ce n'est pas un cadeau, c'est un devoir que Céline reçoit et que le président Maxime Frémaux, Maxime Prévost, voilà, reçoit par mon intermédiaire et le prend avec toute l'importance que ça peut avoir. Merci Président, merci Moussa, merci à tout le monde, merci India, merci Moussa, merci. Merci Nicolas. Nico, une minute. Céline aussi voulait se libérer, mais je voudrais que le Président vous remercie et à tout seigneur, tout honneur. Président. Je vais avec plaisir réitérer mes remerciements, hein, surtout à nos amis européens qui, pour leur attention vis-à-vis de ce qui se passe et pour leur engagement à nous apporter leur appui par la dénonciation, par la saisine des instances belges et européennes pour que quand même il y ait au moins des condamnations à défaut de sanctions à l'endroit de ce gouvernement qui viole tous ces engagements internationaux, notamment ce prix dans l'accord de Cotonou qui lie les pays ACP à l'Union européenne, où les pays ACP bénéficiaires de l'aide européenne s'étaient engagés à respecter un certain nombre de valeurs, dont les droits humains, l'état de droit et les règles et les principes de la démocratie. Donc, merci beaucoup pour l'intérêt et surtout pour l'engagement de nous accompagner dans le combat que nous sommes en train de mener pour le triomphe de nos valeurs, des valeurs que nous partageons, heureusement. Voilà, on ne se sent pas, grâce à votre effort, on sent qu'on n'est pas isolé, que le monde fait attention à ce qui se passe en Guinée et que le monde est solidaire et le monde va apporter, nos partenaires que vous êtes vont apporter leur contribution, aussi bien à la libération des prisonniers que pour le retour de la démocratie et de l'état de droit en Guinée. Ces valeurs sont complètement dévoyées actuellement, malheureusement. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Merci encore à Kierno Moussa pour avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre virtuelle. Et merci à tous. Merci à vous. Merci à vous, Président. Merci, Nicolas. Merci Céline. Nadia, tu avais demandé la parole. Président, vous êtes encore avec nous ? Président, vous êtes encore avec nous ? Non, il est parti. D'accord. Au revoir, Nadia. Aussi. Au revoir, merci. Au revoir. Bien, les contacts que vous avez demandé, Nicolas, vous les aurez. Vous aurez tous les mails de M. Sorel et de Nadia pour que nous puissions étoffer tout ça. Tanou, tu prends la relève ? Oui. Bon, pour la suite. Moi, je voulais juste voir si le PP est arrivé à se connecter. On laisse Nadia en attendant, si vous voulez bien. Non, bien. Enfin, je pense qu'il y a quand même des éléments relatifs aux prisonniers qui auraient pu être traités. Mais bon, nos invités étant partis, il y avait des choses à dire. Je me suis abstenue des éléments de droit, parce que j'espérais que les avocats qui sont les plus à même d'évoquer ces aspects-là prennent la parole. Mais bon, là, c'est pas grave, ça sera une autre fois. C'était notre réserve à tous de se dire qu'ils sont des avocats qui sont
sur le dossier, qu'ils avaient beaucoup plus d'éléments pertinents à communiquer que nous-mêmes. Mais ce n'est que partie remise. Tout à fait, tout à fait. Bien, nous avançons tout doucement vers la fin. Tu avais la parole. Son mot de conclusion. Moi, c'est hormis le président a conclu, j'aimerais dire à quel point on reste absolument meurtri et bouleversé par tous les témoignages. Le premier est en date effectué par l'épouse de Fonike Mbengue, ensuite le témoignage de l'épouse d'Ousmane Gawal, et ensuite le témoignage d'Étienne Soropogi, mais tous très très remarquables de dignité. Et ces personnes-là nous arment de courage et de détermination pour la poursuite de notre combat. Ça, il faut le dire, parce que quand on... Maître Traoré aurait fait une très belle prestation, parce que quand vous le lisez dans les médias sur l'intervention de d'Alpha Condé, qui parle déjà d'accusations et qui, enfin, c'est quand même assez perturbant pour le principe de la séparation des pouvoirs que d'entendre l'exécutif soutenir que des personnes qui ne sont pas encore jugées sont des fauteurs de troubles et des commanditaires de fins infractionnelles. Quid de la présomption d'innocence qui est quand même prévue par le code pénal guinéen? Donc on est révulsé par la violation des règles les plus élémentaires d'un procès équitable. On est meurtri par la violation des droits de la défense. Et comment est-ce que la justice peut-elle dire le droit dans de telles conditions? Et rappeler aussi même que la chef des droits de l'homme au niveau onusien a dénoncé le caractère complètement faux, hein. Elle a parlé de fausses accusations. Donc on a, que le pouvoir le veuille ou pas, affaire à des prisonniers politiques. Et c'est en cela que j'aimerais saluer toute initiative qui concourra à visibiliser ces personnes-là, parce que le drame, c'est qu'elles puissent sombrer dans l'oubli. Et par nos initiatives, celles de Sorel, celles que le parti mène, au vu et su de tout le monde, mais aussi de manière discrète, hein, par toutes les bonnes volontés... par toutes les bonnes volontés qui s'initient, je pense que il est quand même cette dimension psychologique-là est importante pour nos prisonniers. Donc, vous remerciez pour cette initiative et vous invitez à ne pas nous arrêter là, à poursuivre encore nos efforts afin que les droits de l'homme et la démocratie soient une réalité dans notre pays et que tous les sacrifices en valent la peine, en fin de compte. Merci à vous. Merci, merci Nadia. Pour vous dire que déjà, il y a quelque chose qui est prévu, qui doit se confirmer pour jeudi. Il y aura une autre conférence avec d'autres acteurs, à d'autres niveaux de pouvoir. On continuera tant qu'on pourra. Très bien. Monsieur Sorel Keïta, ce fut un plaisir de vous avoir ici. Il est réciproque. Merci pour tout ce que vous faites pour notre pays. Votre mot de la fin? Écoutez, restons mobilisés, continuons le combat parce que nos frères et sœurs qui sont là-bas ont besoin de nous. Ils ont moins de possibilités que nous, donc faisons feu de tout bois et allons jusqu'au bout. Et au bout, c'est vraiment la libération de la Guinée. Merci, merci beaucoup. Monsieur Traoré, si vous êtes encore là, on voudrait vraiment vous entendre. Monsieur Traoré, est-ce que Joachim est toujours avec nous? Non, Joachim est parti pour l'instant. Joachim n'est plus là. Alors, il reste au jeune Tanou de nous faire son mot de fin. Ce fut un plaisir de t'avoir à nos côtés depuis le début et il faut continuer dans cette lancée. Tanou? Écoutez, hein, c'est plaisir partagé. Moi, j'apprends. Comme vous savez, je suis aussi à vos côtés pour apprendre et partager le peu de connaissances qu'on a. Effectivement, on a manqué un tout petit peu de temps. Nadia a bien fait de le signaler, mais puisque ce n'est qu'une partie remise, Monsieur Diallo vient de dire qu'on aura. Alors, je vais accepter juste Baba Milimono. Comme a dit Monsieur Diallo, on aura une autre conférence dans la semaine, et je pense que vous. J'ose espérer qu'on pourra compter sur votre présence à ce niveau-là aussi. On déballera beaucoup de choses et les avocats auront la chance de venir nous dire beaucoup plus en détail aussi par rapport à ce dossier. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est d'accompagner ces prisonniers politiques. C'est de ne pas les oublier. C'est d'attirer l'attention de ces organisations internationales comme celle de M. Sorel, comme celle de M. Diallo en Belgique et comme tant d'autres organisations internationales qui luttent contre ces violations-là. De ne pas les oublier, de montrer à la face du monde qu'ils sont injustement arrêtés, parce qu'effectivement, il n'y a aucune preuve.
ils n'ont jamais été présentés à un tribunal et M. Alpha Condé a déjà commencé à les condamner, et ce qui est très dommage et c'est dramatique. Moi, je suis content de participer à ça et on compte sur vous pour la prochaine fois et que ça soit beaucoup plus aussi attractif et que les avocats et d'autres personnalités puissent venir s'exprimer sur ce dossier. Merci pour tout votre soutien et nous lâchons rien. Et surtout, M. Sorel, merci pour ce que vous dites de ce que M. Alpha Condé, je ne pense pas s'il va se hasarder à venir en France. En tout cas, s'il vient, il va nous trouver pied ferme. Voilà. Merci, Tanou. Est-ce que Joachim est de retour? Joachim? Baba? Oui, Moussa. Ton mot de la fin, on s'aventure tout doucement vers la conclusion et la fin de cette belle rencontre humaine. Ben écoutez, nous ne pouvons que vous remercier pour l'initiative, remercier les amis européens, Sorel et tous les autres qui ont accepté de prendre part, mais surtout pour les engagements pris. Parce qu'il faut absolument que nous conjuguions les efforts afin de barrer la route à M. Alpha Condé. En fait, de barrer la route dans le cadre de, dans son allure, de maintenir nos collègues en prison, vaille que vaille. En fait, il en fait un objet de marchandage politique. Il espère pouvoir marchander avec nous en faisant des détenus politiques une monnaie de change. Malheureusement, il n'obtiendra pas ça de nous, c'est sûr. En tout cas, à l'UFDG, nous sommes convaincus qu'ils sont injustement détenus et vous avec nous. Et donc, il n'y a pas de raison de négocier dans l'illégalité, autrement on la cautionne. Maintenant, nous allons, je crois, la proposition que vient de faire Madame la députée des mémorandums, aller dans le sens de l'écriture de mémorandums qui vont être soumis à nos amis européens afin d'accroître la pression. J'ai également salué la proposition qui a été faite d'accroître la pression par rapport à ces détenus-là, notamment sur le cas Abdoulaye Ba qui a travaillé là-bas en Belgique et qui mérite un accompagnement, un soutien farouche de la part de nos députés belges. Il y avait également Ibrahim Chérif Ba, qui a été un homme d'État, un cadre de haut niveau du pays, un grand responsable qui ne mérite pas un tel traitement. Et lui, avec lui, tous les autres, évidemment, j'oubliais Ousmane Gawal Diallo, dont l'épouse et l'enfant ont participé à la conférence au Sénat la semaine dernière avec brio. Donc, en tout cas, nous ne pouvons que vous remercier, nous confier davantage à vous et espérer que de telles initiatives vont être organisées de temps à autre avec la participation, bien sûr, de tous ceux et celles qui pourront contribuer pour leur libération. Merci. Merci à tous. Quant à moi, je ne saurais vous exprimer à tel point ma joie de voir autant de passion commune pour des valeurs qui sont universelles, la liberté, la justice et le progrès partagé. Je tiens dans un premier temps à remercier vivement le président Elad Selou qui, malgré son timing, a pu quand même venir rehausser notre rencontre de sa présence. Je remercie frère Sorel Keïta, qui depuis Paris est avec nous dans ce combat commun. Je voudrais vous dire à tous que dès jeudi, une autre rencontre de ce type est à l'agenda avec des responsables au niveau européen. Et nous essayerons aussi de faire le même jeu. Parce que quel est l'objectif visé par ces rencontres? C'est de pouvoir toucher du doigt, en tout cas toucher les décideurs européens sur la réalité qui est la nôtre. Faire en sorte que l'opinion, que les opinions européennes, françaises, belges et autres, puissent avoir le même niveau d'information pour créer justement l'étincelle, parce qu'il est inadmissible qu'au XXIe siècle, un homme de plus de 86 ans, qu'il puisse asseoir ou vouloir faire asseoir son hégémonie, sa pensée unique, sur plus de 13 ou 14 millions d'individus. C'est impossible. De nos jours, c'est impossible. Nous nous battrons pour que toutes les opinions, et surtout les opinions démocrates, qu'elles puissent nous accompagner dans ce nombre de combats que nous menons. Et évidemment, cette lutte n'est possible qu'avec vous, les acteurs du terrain, que nous remercions vivement, parce que vous avez un courage, vous avez une détermination, vous êtes sur le terrain, malgré les baïonnettes, malgré les intimidations, malgré la prison,
vous tenez encore debout pour ce socle de valeurs. Puisse Dieu nous entendre, puisse Dieu être avec nous. Merci à tous. Jeudi, je vous enverrai déjà les invitations dès lundi pour que nous puissions étoffer tant en qualité qu'en combativité ces différentes consultations. En tout cas, nous irons partout où les portes seront entrouvertes, nous les forcerons pour que le dossier guinéen soit là où il doit être, afin que nous puissions enfin profiter de la liberté et de la justice tant prônée. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Tanou, merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci, Sorel. Merci, Maître Traoré. Merci, Bakayoko. Merci, Baba. Merci, Tanou. Au revoir. Allez, bonne soirée à vous.